Avec le TSP, on avait 600 grammes de biomasse. Et donc, en fait, 3,5 fois plus que le témoin. Est-ce que, justement, vous avez évalué le positionnement de l'engrais par rapport à la semence? Quand vous mélangez la semence avec la graine, il se peut que vous ayez avoir des pertes de levée par des problèmes de sélectivité. On est heureux d'accueillir les 36 coopératives dont Agora fait partie pour cette nouvelle aventure. On a pu mesurer que les pratiques de fertilisation du phosphore jusqu'en 47 avaient une influence sur nos résultats. Donc je me suis engagé en juin 2016. Les analyses de terre ont été faites donc fin d'année dernière. Et j'ai aussi une ETA et donc du coup l'idée c'était de rentabiliser aussi donc surtout le soir en faisant de la prestation de service pour l'agriculture de précision. Moi j'ai choisi le potentiel pour commencer parce qu'on a des terres, nos terres sont vraiment très très hétérogènes. Vous parlez de l'investissement à vie. Parce qu'on considère à ce moment-là que l'homogénéisation de la parcelle est acquise à vie. Comment prévenir un tassement de sol pour éviter une perte de rendement? Déjà dans les horizons labourés, on a observé assez fréquemment des tassements liés à l'implantation de la culture. Et donc on a un impact vraiment fort du passage de trimiplaine sur l'enracinement. Je suis étonné que vous n'ayez pas fait apparaître certains effets bénéfiques du tassement. Sur mon exploitation, j'ai observé des semis de betteraves avec des attaques de taupins uniquement dans les zones non tassées. Oui, mais effectivement, on peut avoir des effets bénéfiques en fonction de l'état initial du sol. Concrètement, le changement climatique, c'est quoi en termes de mécanisme? C'est vrai qu'à l'échelle de groupes d'agriculteurs ou de coopératives, l'émergence de nouvelles filières, c'est quelque chose d'important qu'il faut commencer à anticiper. En 85, on exportait du blé en Russie. Cette année, la Russie va exporter 100 millions de tonnes de céréales. Et donc résistance aux fongicides avec l'exemple des céréales, prévenir aujourd'hui pour protéger demain. Le fongicide qui est en contact avec la cellule, il va rentrer au sein de la cellule et en fait le mécanisme MDR va faire qu'il y a des transporteurs membranaires qui vont excréter de manière active le fongicide. Toutes les présentations seront disponibles sur le site Agora. Rendez-vous à la 9e édition de l'Agroforum l'année prochaine.